Après avoir convaincu les fermiers et chefs coutumiers Yaka et Ngala, ivrant sur le sol teki dans les territoires de Kwamout pour qu'ils s'enterrent définitivement la hache de guerre, les coordonnateurs du comité de pacification de Kwamout, les chefs coutumiers Sa Majesté Fabrice Kavabioko, a ramené ce lundi 27 mars 2023 à Kinshasa tous les chefs coutumiers teki qui gèrent les terres au bord du fleuve Congo. En l'occurrence, les chefs du village Nkana et du Kwamout auprès du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, les professeurs Dr Jean-Claude Moulipe Mandongo. Une occasion pour les chefs de la délégation, Sa Majesté Fabrice Kavabioko, de présenter officiellement au vice-ministre de l'Intérieur, les Dr Jean-Claude Moulipe Mandongo, les différents vrais chefs coutumiers et tekés et qui ont accepté de dialoguer avec la partie Bayaka pour mettre fin au conflit à répétition afin de ramener la paix durable dans cette partie du pays. Cela, conformément à la vision et instruction du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à restaurer la paix dans les zones à conflit. Naza fermier na kati ya plateau ya bateke lelo lokola bango nyonso biso nyonso to bimi awa na mbela ye moko roi akende ko convaincre batu nyonso biso ku datine ga biso mutu ka bi ali na ningi bino nyonso boya bobima to solola ne biso nyonso peto ya ki delegation to ye ku kuta bango ne to bimi awa pona ko solola pona ko luka kimia e kota na mboka to to poni kimia yango awa nazanga ba mfumu na nga ya chenal yango to yawa na ministère pa tozwa solution kimia ekota na mboka na biso tozwa solution entre biso na ba fermé ya ba yaka o to vandaka na baona ba mboka to lingi to traiter makambo yo na miso ya batu nyonso to vanda de camp ya biso na ya bango nyonso elekaki to bongisa na mabongisi sikoyo na ndenge roi mini Congo ameni biso na dialogue oyo to sepeli na ngo mingi neti biso to zawa to sangana na bampona ba fermia ba yaka biso pe ba chef ba teke to zala même moral liloba moko to silisa conflit oyo to zonga na bamboka na biso na ba fermia na biso. Après leurs échanges, combien fructueux et bénéfiques pour les deux parties, Jean-Claude Moulipe Mandongo a rassuré aux uns et aux autres sa détermination de trouver une solution durable. Il est prêt pour prendre les dispositions idoines pour que la paix revienne dans les grands Bandundu.